Alors, la pole dance, c'est un sport qui est ouvert à tous, qui permet de se gainer, de s'assouplir, de prendre en force et du coup de faire des figures vraiment incroyables, autant au sol que sur une barre, que très haut, autant que très très bas aussi. Et du coup, c'est vraiment un sport qui est polyvalent et incroyable. Alors, la pole dance, ça consiste à essayer de faire des figures avec pour seul outil son propre corps, donc sa force, sa souplesse, et il y a un palmarès incroyable et impressionnant et infini de figures qu'on peut faire. On a souvent la connotation de pole qui rime un petit peu avec sexy. C'est pas forcément le cas, car on peut le choisir. On peut autant faire de la pole sexy si on le veut, possibilité de mettre des talons, et il y a tout l'opposé où on va vraiment faire du sport à haut niveau et qui sera beaucoup plus compliqué. Ce qui me passionne dans la pole, c'est vraiment ce côté où on peut faire plein de choses. Si une fois je me sens peut-être un peu moins bien, je pourrais totalement faire un entraînement où c'est que du floor work, donc travail au sol, travail en équilibre, travail de gainage et pas du tout monter jusqu'au sommet de la pole. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Autant on peut travailler des figures, cas par cas, ou alors on peut créer une chorégraphie et puis s'amuser avec notre propre imagination. Alors j'ai commencé la pole en 2015 et j'ai été tout de suite poussé par mes coachs à faire de la compétition. Du coup, j'ai fait ma première compétition en 2016 que j'ai remportée. Et de là, ça a été très vite parce que c'est un sport que j'adorais. Et à partir de là, en fait, j'ai enchaîné un peu les compétitions. J'ai fait pas mal de démonstrations aussi. Les hommes en Suisse qui font de la pole, ils sont comptés minoritairement, je dirais, parce que ça n'a pas pris encore assez d'ampleur. Maintenant, ceux qui le font ont en général un très 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 bon niveau. Donc du coup, j'ai des concurrents qui sont assez difficiles à égaler. Alors Laura, bienvenue à ton initiation de pole. On va commencer par s'échauffer tout le corps. On va faire un petit peu de gainage et un petit peu de souplesse. Par rapport à la pole, il n'y a aucun prérequis, ni physiquement, ni d'âge. On a vraiment des tout petits, des 4 ans qui font de la pole, et aussi des personnes qui sont plus âgées, une cinquantaine d'années. Donc il n'y a pas du tout de prérequis. Le mieux, c'est d'être en confiance avec soi-même. Et par exemple, moi, ça, c'est grâce à la pole que j'ai eu cette confiance. Donc ici, on plie et on monte. Tu ramènes les genoux d'abord vers le haut. Et maintenant, on bascule. Bascule, tends les jambes vers toi. C'est juste. Croche bien le genou. Genou. Monte. Je lâche qu'elle monte. Non, surtout pas. Non, tu épouses cette jambe beaucoup plus vers le bas. On descend. Excellent. Très bien. Comme ça. Hop. Très bien. Parfait. Et on ça ressemble à quelque chose. Oui, c'est bien. Alors, c'était la première fois que j'essayais la pole dance. Et je trouve que c'est un sport très complet qui sollicite vraiment tous les muscles du corps, qui est très intense, pas vraiment facile, qui demande aussi beaucoup de souplesse, mais qui donne des sensations assez euphorisantes, d'être un peu en apesanteur comme ça, à la force de ses bras ou de ses jambes. Et on a tendance à penser que c'est un sport sensuel. Alors il y a un côté sensuel, c'est vrai, mais c'est surtout un sport de force et de dextérité qui est très technique en fait. Maintenant, les mains plus haut, tu remontes et tu te tractes. Parfait. Bien Laura. Allez, jusqu'au sommet. Parfait. Touche le plafond. Parfait. Excellent. Et là maintenant, tu te laisses glisser pour bien sentir la barre qui te râpe la peau entre les cuisses. Vraiment. La pole, ça apporte quand même une confiance en soi parce qu'on est constamment en face de nous-mêmes, donc en face du miroir. Et si on veut bien progresser, comme on tourne en même temps sur la barre, c'est un peu compliqué de se corriger en regardant dans le miroir. Il faut se filmer et ensuite regarder. Et c'est vrai, quand on regarde une vidéo,
il faut se concentrer sur les figures qu'on fait et pas forcément en se disant « Ah, j'ai un bourrelet là, ah, j'ai ça, ah, ça, c'est pas très joli. » Et ouais, moi, c'est grâce à la pole que je me suis totalement accepté et puis que maintenant, je suis bien avec moi-même. Bah, bravo. Bon, bah, merci beaucoup. C'est bien. C'était fort en sensation.